Je m'appelle Alain Duciel. Actuellement, donc, je suis un heureux retraité. Après avoir sévi pendant plus de 40 ans dans le social, où j'ai travaillé dans diverses associations, j'ai travaillé aussi pour le canton, pour les services publics comme pour les services privés. Et j'ai donc une certaine expérience dans le social. Je ne dis pas que j'ai l'expérience du social, mais j'ai une certaine expérience qui me permet d'avoir justement l'angle d'attaque que je vais utiliser aujourd'hui pour témoigner et parler de ce que l'altruisme était et est dans ma vision du travail, dans ce qu'était mon travail. Bon, alors pour moi, l'altruisme, c'est plus qu'une idée, c'est une façon de vivre. Et d'ailleurs, j'ai intitulé en sous-titre l'altruisme, j'ai marqué le vivre autrement. Et je crois que pour moi, l'altruisme fait partie un peu de notre vie quotidienne. Dans nos sociétés, en tout cas judéo-chrétiennes, l'altruisme est quelque chose qui n'est pas complètement tombé du ciel, si je me permets. C'est quelque chose qui est attaché à nos valeurs. Dans nos sociétés, on le voit, on a même des lois qui punissent une non-assistance à autrui. Hein. Donc on doit effectivement, on a un regard déjà par notre éducation, notre culture, un regard sur l'autre qui peut s'éroder un peu, parce que le regard, des fois, il peut être craintif. Quand on ne connaît pas les gens, on peut être craintif. C'est souvent un petit peu la situation que vivent des personnes qui ne sont pas confrontées à la différence et qui craignent justement de rencontrer ou de ne pas rencontrer, de ne pas connaître des gens différents. Et je crois que l'altruisme, c'est vraiment un désir de rencontrer l'autre comme il est. Pas parce qu'il est différent, mais parce qu'il est quelqu'un. On est des êtres humains sur cette planète. On est une planète sur laquelle on doit pouvoir vivre ensemble et cohabiter d'une façon la plus harmonieuse possible. On doit, dans notre pensée à l'autre, on doit surtout savoir qu'est-ce qu'il a besoin, mon prochain, de quoi il a besoin. Parce que moi, je peux penser savoir ce dont il a besoin et je peux me planter complètement. Donc j'ai intérêt quand même à me renseigner avant de vouloir l'aider, de lui demander qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux en fait, c'est quoi l'objectif, pour ne pas me planter, pour ne pas faire un travail pour rien, et puis surtout pour l'aider, pour l'accompagner. C'est une façon d'approcher mon voisin dans le métro, dans le train, dans un magasin, mon voisin où j'habite, mon collègue de travail, pouvoir l'aborder dans ce qu'il est. Et on découvre toujours des gens, quand on pose des questions, on est toujours très surpris des richesses qu'on découvre chez l'autre. Je crois que par nature, l'homme, il est sociable. Par nature. On a besoin, bien sûr, de moments de solitude, hein, pour se retrouver, avoir notre jardin privé. Mais je pense que l'être humain est un être de relation. Donc après, c'est comment ces relations, comment elles se passent. Et je crois qu'effectivement, si on veut aller un peu plus loin après, si on veut développer l'altruisme, c'est vrai qu'il y a des formations pour, il y a des métiers qui font ce travail. Et puis je pense que c'est très bien. Mais il y a aussi de la place pour des non-professionnels qui peuvent prolonger en fait le geste professionnel. C'est ce que j'ai vécu en tout cas dans mon travail.